Et le comeback quoi. là là là, let's go! Let's go les potes! C'est le 12 victoires qui part! Ça part sur YouTube, le vélo! Bonjour YouTube! Bonsoir YouTube! Ça partira sur YouTube peut-être. Je suis en compagnie de Nemaïdes, streamer Moi, de toute Armatim, façon, un mon grand streamer, objectif hein, c'est Robin. d'apparaître sur toutes les chaînes YouTube. Je suis sur Talk You Need, Lowello du coup maintenant, et il me faut juste une vidéo avec Fichou. Eh, Oyakun! Yakun Respecte aussi, Kun! ouais. C'est un bâtard! Oh C'est putain, je vrai, voulais mais comme dire. il est pas là, ça va être compliqué, tu vois, parce que Ouais, mais je vais justement, pas il le est pas voir là, regarde le souvent. stream. Je vais pas le Kun! voir souvent Là, du mais ça, je coup. suis sur le chat. De quoi? Tu veux Oui, parler souvent? mais je vais pas le voir souvent. C'est pour Ah ça ouais. que je dis Fichou parce que Fichou est là. Du coup, demain, je peux essayer de gratter, tu vois. Le fail sort boom, oublie pas, hein. Aïe, 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 la Oui, critique est dure. La c'est vrai critique est très que très dure ce soir. franchement, Les gens ont de la mémoire et ça. Aïe, moi, aïe, je aïe, trouve aïe, ça aïe. un peu Ça triste. fait mal. Alors qu'on avait fait un magnifique plan de jeu, qu'on a maîtrisé de bout en bout, à part ce tour, qu'on nous rappelle ça, tu vois. Je trouve C'est ça vrai, c'est dur. vrai. Mais tu sais, moi j'ai des viewers d'élite. Moi j'ai des viewers qui sont là, ils sont tous Ils top 1 sont légende et ils savent de quoi pointus, ils parlent, tu hein. vois. Pointus, ouais. Ils sont très C'est. très chauds et je leur en veux pas. Je leur en veux pas, clairement, je veux dire. Moi j'ai les. Il faut pas le dire aux autres streamers, mais je pense que j'ai les viewers les plus intelligents et les plus forts à Hearthstone, à mon avis. Mais après, c'est C'est normal. possible, c'est Ils possible. sont souvent tous abonnés à LoloTV, ce qui ça aide énormément à Oui. progresser très rapidement sur Hearthstone et Mais avoir j'ai un maximum senti de moi tout à légendaires dans l'heure, vos quand j'ai boosters, cliqué n'hésitez sur pas. m'abonner, De quoi? quand j'ai cliqué sur m'abonner Ouais. sur ta chaîne tout à l'heure, il y a un truc, tu vois. Ah, Genre d'ailleurs, bah ça c'est le QI, hein. j'ai résolu une équation direct. On n'est pas des viewers moyens. Merci pour l'abonnement. Allez, ceci c'est Setsunaf44 qui vient de s'abonner pour son 16e 16 mois mois. d'affilée. Bienvenue à toi, Setsunaf44, tu nous régales. Merci beaucoup. Bonsoir, le Ah, c'est 0 un démo, défaite. ouais. Vesti, tu arrives un tout petit peu trop tard. Tu arrives un tout petit peu trop tard, mais bienvenue à toi. 0 défaite, tout à fait. Et on vient de faire la game la plus épique de tous les temps. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était C'était vraiment une belle game. incroyable. Oh non! Il joue des C'est un cartes! endlock, du coup. Mon adversaire, il joue des cartes! C'est chiant, ça. Oh Moi, je trouve non! ça souvent injuste, Non, en vrai, les gens qui jouent des cartes. c'est pas réglo, hein. Du désordre, du désordre! Il a souvent des anti-armes en plus. Tu vas Ouais. voir, tu vas voir. Regarde comme il est Après, c'est un malhonnête! deck qui. Oh, c'est relou en vrai, on va C'est top un... deck Ouais, Dr. Boom! c'est chiant sur Dr. Boom. Mais après, c'est un deck qui perd pas mal de PV, quoi. Rien qu'avec le life tap. Du coup, Ouais, c'est mais il cool, a les Rafam, bombes. hein. Il a Rafam dans son deck. Ah oui, c'est Après, vrai. du coup, c'est pas plus mal de piocher maintenant, je veux dire, mais. Quoi qu'il le pioche maintenant, après, je veux dire, ça aurait toujours été mieux sur son set, quoi. Il le heal. LOL! Oh, bien ça. Ouais, nice. Il va la piocher direct S'il la ici. pioche direct, c'est vraiment incroyable. Ça va la calvitie, Loello? Aïe, 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 aïe. C'est pas facile ce soir. Hein. C'est pas facile. Ils sont durs, hein. C'est pas la calvitie. On est fatigué et en plus ils sont durs. C'est juste que j'ai un excès de testostérone parce que je fais énormément de musculation. Ce qui fait que je suis un peu plus viril que la moyenne. Et automatiquement, bah, t'as l'impression que j'ai la calvitie. Mais c'est normal. C'est l'entraînement de One Punch Man qui fait ça. Moi personnellement, je suis médecin et je confirme tout ce qu'il dit. Hein. Scientifiquement, tout est Tout est valable. prouvé. Il a deux bombes pour l'instant, je pense pas que ça va être le coup de Rafam parce que s'il y a Rafam, déjà il perd Bah, il toutes va ses en reprendre cartes. derrière, quoi. Et ouais, il va en reprendre des. C'est gratuit. Aïe aïe Je suis le médecin du médecin et j'adhère aïe. également. Ils sont géniaux. T'as déjà vu les trucs comme ça sur Twitter qui partent grave en couille? Genre, il y a un mec qui raconte un espèce de mytho, Ouais, j'ai vu, genre ouais, j'ai c'est trop marrant combattu ça. un ours pour draguer une nana, et il y a un mec qui répond je suis l'ours, et en effet, il m'a mis une bonne raclée. Et les gens, Ouais, ils enchaînent et comme t'as un ça, mec, tu je sais. suis la raclée, ouais, C'est c'est ça, génial. ouais, je connais ça, c'est trop marrant. Ok, je vais faire ça au prochain tour, j'ai bien envie de maximiser mon hero power. Après, il y avait un argument, je le fais maintenant pour augmenter mes chances d'avoir exactement Dr. Boom au prochain tour. Au-dessus de l'armor up, je sais pas, à voir. Parce que là, il me reste plus qu'une Je ruée pense en pas. vrai. Je pense que là. Enfin, moi, j'aime bien l'arma parce que par rapport au stats, t'as 20 cartes dans le deck. Je suis pas sûr que ça augmente tant que ça. Ouais, Tu mais si je vois. top deck la ruée, je suis un peu deck quoi. Ok. Non, j'envoie les deux Toujours dedans, non? plus de bombes. J'envoie les deux dedans et je développe la bombe, je Ouais. pense. C'est Après, de la est-ce que j'ai triche. envie de Il lui a du mettre une heal. troisième bombe tout de suite? Ouais, parce que. De ouf, mon pote. Allez, il en poche une tout de suite de préférence. Ok, pas encore, pas encore. Juste Après, après le Dr. Boom. faut qu'il ait Rafam. Faut qu'il ait Rafam, ouais. Puis de toute façon, s'il fait Rafam maintenant, moi j'ai encore les deux armes, Il y a encore de quoi en j'ai encore mettre, une ouais. 5-5 là.
J'ai encore une comme ça, j'ai le Dr Boom qui peut me donner des comme ça. Mais... Oh god failure. Même. Eh salut! Eh! Tout vient à point, qui sait t'attendre? Ça y est, on les a lancés du coup. Je suis la forêt, j'ai tout vu. Je suis le pays dans lequel la forêt est, je confirme aussi. C'est trop marrant, ça me C'est fume. génial. C'est quand tout Internet s'unit pour une même cause. Ouais. C'est beau, c'est émouvant. Anna! Anna, il joue des cartes! Est-ce qu'il va faire son Rafam ou pas? Ce que Ah je mais me demande, il c'est. joue des cartes et d'huile en plus. Oh Du là coup là. c'est vraiment de la triche La quoi. malhonnêteté à son Ouais ça se paroxysme. brawl ça. Ouais, ça se baston. Baston Darius dans la 2-3. Oui Non! parce que Ah c'est non, la baston 3-4 qui face avec la ressort. 3-4. C'était vrai évidemment. Ah. Bon. Très bien. C'était le seul mauvais outcome. C'est vrai que les C'est vrai que c'était le seul C'est quand même incroyable tout ce qu'il y a sur ce bureau là. Il y a un marteau, il y a une banane en plastique. Fais gaffe au marteau quand même. Je vais faire gaffe au marteau. Je suis pas très doué en plus donc. Ah! Il a joué baston! Il a joué Hey! baston! Il a joué baston! C'est le moment! On joue tout, on joue tout! Oui, C'est non, parce vrai, que j'ai joué à la carte de droite. jouer les deux dans le deck, les deux dans le même tour, je veux dire, c'est. Débile? Oui, Oui. c'est plus ou moins le mot que j'avais en tête. Tout Le à fait. Martank. Ah, il a un nom en plus. J'avoue, fais pas le coin avec le Martork, mec. Alors on va déjà tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, C'est et bien ça aussi. bah on attend les deux Docteur Boom, hein? Hey! Docteur Boom! Docteur Boom! Ça c'est à Oh montrer. Ah c'est chiant ça. non! Ça c'est à montrer à chaque fois que je fais un C'est trop play tôt! à Too soon, l'arnaque. my friend! Too soon! Oupsie! Oups. Allez, plus de bombes. C'est pas mal en vrai. Est-ce que tu joues Darius en vrai? Parce que là en T'as fait absolument il a raison, plus c'est le d'AoE, seul il a plus argument de pas le rien. jouer, c'est ça, mais. Il a plus d'AoE ni rien en Non, fait. t'as 100% Il a raison. plus que des légendaires. T'as 100% raison. À moins qu'il ait genre Rafam. Ouais, mais non, il a Chroniqueur Show, Netpagle. J'ai pas. Et Ondasta. Qui ramène le truc à 25 Shyrvala. mana. Je sais toujours pas ce que c'est. Je sais. Ok, c'est naze. De la merde, ça. Tant pis. Ok, donc ça, c'est pas un mecha, ouais. Non, tu peux faire un petit Le trade. CSA, ouais. Tu trades ta 1, ouais. Ça va. Y a pire comme bête, on va dire. Oh. Il y a pire que Grull. Allez, reprends tes bombes, bro. Reprends tes bombes désormais. Le pauvre, Tu vas pas t'en sortir il comme ça, vient de mon pote. les enlever, il les reprend. Bon, allez, Ah non, non. pas de bullshit sur les légendaires. Tout à l'heure, Yunid, il a fait une game. Et j'espère qu'elle sera dans Trolldun. Parce qu'il a fait Emerys, into Emerys. Ah ouais. Et du coup, il a joué une Ondasta 28-28 qui a fait Ah mais tomber c'est. une Shyrvala 28-28. Comment on pouvait 28-28? Non, 7-7-14, 14-28, 5-5-10, 10-20-28-20. Non, ça double tout. Oui, le Shyrvala, oui, 28-20, 28-20, pardon, ouais, ouais. ok. Et Ouais, ouais, d'accord. je dis 28 Non, non, ouais, t'as dans la carrément gagné. foulée, mais ouais. Désolé, je suis relou. Non, t'inquiète, non, mais t'as raison. Je me demandais juste en fait si T'as c'était raison, moi t'as qui raison. avais Non, pardon, pas. c'est Ondasta 28-28 et Shyrvala 28 Ok, d'attaque, quoi. bah solide. Moi je joue ça en vrai, ça ramène Docteur Boom, bah tant Match. pis, En hein. fait, t'as part J'ai elle de envie de me mort, y a chier. rien qui peut. À part elle de mort, y a rien qui peut clean ton board, donc autant bourrer, hein. Ah bah ouais là. Après si je joue Eldemort, j'avoue que je l'ai un petit peu mauvaise Faites mais. voir l'arc, je l'ai pas encore vu. Mets ta souris sur l'arc. Ça donne plus de dégâts des sorts pendant tout le tour. Quand tu attaques. Quand tu attaques, Je suis putain. ah. Ça m'apprendra à le dire. En vrai, il y a l'exécute. Un petit truc qui rush là. Ah, oh, c'est chiant de pas avoir eu un petit truc. Bon, c'est pas grave, il va sûrement traiter dedans de toute façon. Vrai qu'il a plus beaucoup de vie l'air de rien. Et au moins, il a plus rien en main Bah, il a une quoi. bombe quoi. Après, s'il chope la légendaire du démoniste, du paladin Le là. saccage boom, c'est une copie. C'est vrai, tu peux toujours top deck Dr. Boom. Hein. Ouais. C'est une copie que t'as invoquée, ouais. Ah non! Ah, c'est chiant ça Oh, aussi. c'est nul ça. Ça heal un peu, Il peut mais de pas toute le façon, il va tuer. prendre son exec là-dedans. Deuxième round? Ah non, c'est bien ça. C'est un peu chiant parce que ça le heal, mais. Ouais, mais je veux J'ai dire, pas vu au c'était prochain quoi tour, les je vais autres que rames. 8. Hein. Oui, il y a eu le truc du requin. Ça faisait rien du coup. Étonnant! Étonnant! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Ça vous déçoit de ne pas pouvoir faire le SL pour une dispute qui ne vous concerne pas? Je suis pas au courant du tout. Moi non plus. De quelle dispute et de quel ESL tu parles? Ça va. Bah, il a pas de sort quoi, je veux dire, donc. Ouais, donc c'est juste une 2-6. Il a quoi, quoi c'est dans la ok. main? Ça, c'est un peu chiant. Ça fait quoi ça? Ah, ça. Merde. Ça, c'est un petit peu chiant. Roluman. Mais là, avec sa cash boom, tu peux prendre le board et il l'aura plus jamais en fait. Ouais. À moins qu'il top deck l'autre Eldemort. C'est un peu chiant s'il a un deuxième L2. Il peut pas le jouer ça. Il ne peut jamais le jouer. Pourquoi ça me l'a montré? Je sais pas pourquoi ça te l'a montré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu, il a cru que c'était une bombe, non? Je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Avec... Non, non, avec le bug, avec les bombes, c'est pas. Parce qu'en fait, ça m'était arrivé tout à l'heure hors stream. Ah. Tu sais, il y a un démon 4-6. Quand tu le pioches, il te heal de 4. Et ça te le révèle. Ouais. Et du coup, est-ce que le jeu il considère pas genre que c'est cette carte elle a remplacé le démon 4-6 et non. Du coup elle est révélée? Non, je pense que c'est plus ça, Glouton, ce qu'il dit, c'est une bombe qui a été transformée en légendaire. Parce qu'à la base c'était une bombe en fait. Du coup, ouais, ça, mais du coup ça marche aussi avec le démon 4-6. Ouais, mais le démon ça aurait été le démon. Il t'aurait montré le démon. Non, parce que ça l'a remplacé par une légendaire. Ah, parce qu'il était dans son deck, ok. Ouais, ça il la joue en dans fait, son ça, deck. Ça m'était arrivé aussi tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit. Mais je viens de voir la carte. Et en fait, j'étais hors stream. Et tu sais, vu que je parlais pas et que j'étais dans mon coin, en fait. Et tu sais, j'étais en mode. Mais c'est bizarre ça. Je viens de voir. Et j'ai vraiment pas. Ouais, et là, ça vient d'arriver devant tout le monde. Bizarre, donc, je suis mais du content coup, que ouais, les gens le voient. Bah, c'est pas moi qui ai raison, Toxin Switch. Je l'ai lu dans le chat, le démon 4-6. La decklist, Groséillon, tu vas sur Lowello TV. Lowello TV YouTube. Et t'as eu 3 vidéos dessus aujourd'hui. Ouais. Et il y a les codes dans la description. Je vais te voilà, je vais récupérer on a un petit vous le mettre là sur le chat. Je l'ai copié, c'est relou parce que ça copie toute la liste. Ouais, pour ça. Les chats Twitch, c'est pas adapté. Là voilà. Je vous le mets sur le chat, les frérots. Et puis n'hésitez pas quand même à pour les prochaines decklists à les retrouver sur YouTube. Je mets toutes les meilleures decklists du jeu. Vous pouvez les retrouver avec du gameplay de qualité. Donc n'hésitez pas. Est-ce que je garde ça? Contre voleur, c'est chaud en vrai. En fait, je les garde dans la plupart des match-up, mais pas contre voleur parce que c'est quand même ouais, assez agressif. Ça peut vraiment péter la gueule rapidement. Ouais. Mais en fait, du coup, j'ai plus besoin de me abusé défendre comme bug, contre. Parce qu'entre Rafam et Illisiana, il y a pas mal de trucs qui remplacent ton deck actuellement. Donc, ouais, bah en fait, le avec fait Illisiana, c'est le même bug. Parce que bah ouais, la bombe, elle considère que. Ça remplace la bombe et du coup, l'animation, elle est gravée dans le truc et ça te la. Bon, en l'occurrence, ça change pas grand chose parce que ça a révélé une carte qui peut jamais jouer. Ouais. Si, la Ondasta. Oula. Mais Yuxbe. C'est énervé ça comme playité, hein. Ouais, c'est un peu vénère, ouais. C'est bien ça. Parce que je me fais souvent bullshit. Je me fais souvent bullshit super tôt dans les games contre voleur, genre c'est tellement cheaté. C'est un peu embêtant, ça serait ouais. Bien d'avoir une ruée. Ah ouais. Je comprends pas, j'avoue que je comprends pas trop son tour 1 en fait. Il est pas si pressé que ça, si. Bah en fait, t'as pas envie de piocher les trucs. En fait, t'as envie d'augmenter tes chances d'avoir ouais. D'avoir tes autres trucs, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est relou ça en vrai. Hein. J'ai juste à faire ça dessus. Je pense que je le fais. C'est quoi la meilleure decklist voleur aujourd'hui? Il y en a deux. Il y a une version tempo qui joue Leeroy et tout ça. Et il y a une version un tout petit peu plus lente qui joue Sirpilleur. Un truc vraiment axé laquais avec Sirpilleur et un truc où il n'y a pas Sirpilleur qui est plus aggro. De quoi? Tu parles de voleur? Les deux meilleurs decklist voleurs. Ouais. C'est Sirpilleur avec Inspectrice du MAL, là. La 1-5, je sais plus comment ça s'appelle. Et l'autre, c'est la plus classique. On va jouer ça. Body, il est intéressant ici. Si Phoenix, j'ai vu, je t'ai remercié tout à l'heure en fait que j'ai lu ton message dans le chat et j'ai regardé dans mes mails et en effet j'ai vu la donation mais du coup il n'y a pas les alertes. Mais tout à l'heure je t'ai dit merci beaucoup, t'as pas dû entendre. Mais du coup je te le redis, merci beaucoup. Super sympa de ta part. Quelle gentillesse. Agressif. C'est agressif, mamie. Pourquoi tu fais ça? Oh, dis donc, c'est bien ça. Ça prend bien le board. La carte hein. De droite. J'adore Arson. Robin, il a l'air trop gentil. Bah, il vous. Il fait bien semblant quoi. Ouais, il fait bien semblant.
Ah, c'est fort ça aussi. Ah, c'est relou ça. Quand ils ont sorti la carte, je me suis dit, ouais, c'est pour voleur test, mais de toute façon, voleur test c'est nul. Et en fait, la carte est forte quand elle est dans un vrai deck. Quand elle est dans un vrai deck, il a dit. Ok, allons chercher un truc stylé. Ah, yeah, ça aurait été vraiment stylé ça pour le coup. Mais je pense que c'est juste lui en vrai. Juste lui, ça va pas Il est mal le assez chercher. cool parce que il t'assure quasiment d'avoir un truc à magnétiser Ouais, c'est au ça, prochain tour. exactement. Si j'avais un mana de plus, j'aurais pris la 1-3 et j'aurais magnétisé avec ça pour aller chercher lui. Mais là, j'aimerais bien juste que ça plus les bodies, en fait, ça puisse aller chercher ça. De toute façon, là, il est un peu embêté par rapport au fait de vouloir taper avec ça. Donc, si moi je prends des dégâts, de toute façon, je vais me soigner. J'ai Dr. Boom. Je veux dire, je suis quand même assez à l'aise dans cette partie. Ça aurait pu être pire, mais c'est pas du tout fini, hein, au contraire. J'en ai très très loin même. Mais ça aurait pu être pire que ce que je veux dire. Ziliax, ça a l'air cool quand même, même s'il y a Docteur Boom. Ouais, mais Dr. Boom, autant le faire sur le tour où je peux faire le Hero Power en même Ouais. temps. Ça sert à rien de toute façon. Est-ce que j'ai envie d'exec ça? En fait, j'ai le sentiment qu'il a pas de grosse carte. Donc, en fait, Les qu'est-ce que trucs qui j'exec? sont relous, c'est les plus gros, on va dire, c'est les 4-3 et les 1-5 surtout qui donnent des laquais. Mais je pense pas que ce soit débile d'exec ça, ouais. J'ai pas envie qu'il le remonte en fait, c'est déjà chiant qu'il Ouais, ait une carte ouais. en plus. Il y a la 1-5, elle est relou parce qu'elle a 5 PV et qu'elle peut être remontée et donner plein de trucs, mais Ouais, mais bon, il gagnera pas comme ça parce qu'il va perdre au bomb s'il fait ça. Van Cleef, non, Van Cleef c'est ok, il a déjà utilisé une prep, sa pièce, un backstab. Il y a peu de chances, enfin si avec les laquais c'est toujours possible, mais C'est peu s'il a probable, pas ok. déjà fait Déjà, un c'est gros peu Van probable qu'il le Cleef, joue ça et sera ok. s'il le joue, c'est pas très C'est dangereux, ouais. chiant, vous La cachez la 3-3, la mana 3-3, la quand même. 3-3. Oui, let's go! Il a raté un coup! Ça régale ça. Pour le mana, c'est facile, tu regardes le mana du mec d'en haut et on a parié. Y a plus de warrior, les gars. Faites-vous plaisir. De druide, tu voulais dire? De druide, ouais. Oh, lapsus. Même si le OL aurait tressé ses On peut pas biceps, réduire c'est la dur. taille, il y a un quota, c'est comme on est beau, il faut prendre un pourcentage de l'écran, on peut pas vraiment changer ça. Après, il prend beaucoup de dégâts. Hein. Il fait la maligne, il fait la Oui, c'est vrai maligne! qu'il a plus que 10. Tu lui as mis des bombes déjà? Je lui ai mis une bombe, Une je crois. bombe. Ou deux bombes? Une bombe? Non, zéro Non, bombe? 0. 0-0 en fait. Triste. Ouais, très triste. Allez, donne-moi les 3 dégâts 3 de là. dégâts, c'est cool là. Allez, c'est bien ça, ça. Ça, c'est bien aussi. Ouais. On Pas aurait préféré canardisé. tuer la 4-3, mais c'est bien quand même. Ouais. Bon bah dans la tête du coup, hein. Voilà, en vrai, il a plus trop envie de prendre des dégâts avec ça. Et là, moi, j'ai des ruées sur mes mechas, donc désormais, je vais pouvoir tout trade tout le temps. Je suis archi safe, je suis à Ouais, on 37 est bien bro là. contre un deck hyper Il n'y a aggro. plus qu'à attendre Ça de fait méga piocher une bombe plaisir. ou deux et... Eh, en vrai, c'est 12-0 avec cette arène. Oh non! C'est un secret. C'est pas là-dedans, ça? Non, pas l'ouf, ça va. Pas l'ouf, c'est pas trop relou. Oh, ok. Rigolo, ça. Chercher un laquais directement. Tu veux qu'on se mette là pour qu'il se taise ou pas? Ouais, mais c'est toujours le même problème après. Non, mais ça cache rien. Ils s'en foutent du score. Ça me fait bizarre. Ah, ça fait hyper J'ai bizarre. tellement l'habitude d'être de l'autre côté. Tu peux mettre même le score, c'est. Ouais, le score, c'est. Bah, Parce le que score. si on se met tout à gauche, vous allez dire on voit plus le score, on voit plus le score comme vous dites la mana. Bah, tu gagnes la boule, c'est bon. Je joue ça, non? Découvre. Moi, je vois deux. Moi, je lis inflige 2 dégâts face là, donc j'aime bien. Du coup, la fusée plutôt, non? Non, mais la fusée, t'as pas envie de. Si ça ou ça survit, c'est mieux. Je le sacrifie, il faut juste pas que je perde de baston là. Ok, Ok. bon, en plus, tant mieux. Allez, stop les bullshit pas la game comme ça. Non, Von Kiff, Von Kiff, Von Kiff! Yes, let's go! Nickel. La Putain, la c'était vraiment deuxième moyen de le meilleure faire cible là. là. On a eu un petit coup de pression, hein. Ouais, bah après tu me diras, j'avais un deuxième, tu vois, et là, tu vois, genre j'avais un Hero Power et tout, c'était pas du tout perdu, mais je veux dire, si je la perdais là, quand même, les 16 patates, j'allais pas les assumer, hein. Et là, directement, le Dr. Boom, là, j'ai gagné les 0 Il bombes. n'y a pas de bombe, mais Il y a c'est bien zéro quand même. bombe, bro. Vas-y, la deux face avec la fusée. Non, mais c'est clairement de face avec la fusée, oui. Ça ne fait aucun Bim! doute. Et paf! Et là, lui, je pense qu'il va commencer à en avoir marre de taper avec son arme. Je pense qu'au prochain tour, je vais quand même jouer le Dr. Boom à vide. Mais là, j'ai quand même. Genre, j'ai toutes mes bombes qui sont là-dedans encore. J'ai les 2-3-3, j'ai les deux armes et j'ai les 2-5-5. C'est génial. On voit plus les cartes, mais vous les voyez les cartes, on en a que deux en main. Ils sont embêtants, hein.
Faites un Strobal pour la position. C'est vraiment utile les sorts à 1 dans le deck, c'est pas mieux de mettre Elec à la place? C'est la même question. Tu vois, genre, j'aime bien cette question-là parce que elle soulève. Ok, cool. Elle soulève la question correctement. C'est C'est beau pas jeu, tu le juste mets est-ce que à tu mets 1 pas. et tu fais C'est fin de qu'est-ce que tour. tu mets à la place? Il a capitulé, je On crois. voit plus l'heure. Lui, c'est un bâtard. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé la question beaucoup de fois. Moi, je pense, c'est mon avis, hein, je peux me tromper. Moi, je pense que tant que voleur est un archétype omniprésent et à peu près God tier au niveau du Warrior, si ce n'est plus fort, c'est trop risqué de mettre les élecs. On s'en fout du nombre de bombes que tu mets dans le deck. Tu veux juste survivre. Et les petits sorts à 1, ça te proc les execs, ça c'est pas négligeable, ça te donne des laquais qui sont tout le temps forts, c'est vraiment juste ouf, ça te donne des laquais qui sont forts pour les bastons, qui sont forts pour les sorts que tu peux avoir dessus, pour les deux dégâts, comme là, le nombre de games juste sur ce colisée là, sur ce bras de fer héroïque, où j'ai gagné grâce à des laquais, enfin, je veux dire, c'est tellement fort, donc c'est risqué. Tu peux mettre les élecs, tu vois, mais moi juste, entre quand je jouais les élecs et quand je les ai plus, je préfère quand je les ai plus. Alors, effectivement, il y a des match-ups si je suis sûr d'affronter des prêtres, des warriors et des trucs comme ça. Effectivement, je vais faire quelques modifications. Mais si je veux rester dans la polyvalence, le maximum de polyvalence, moi je préfère comme ça. Après, je suis pas le meilleur joueur du monde. Peut-être que je me trompe, peut-être machin. En tout cas, pour moi, ça a payé. J'ai enlevé les trucs. J'étais bloqué dans les 300-400 légendes. Je suis monté top 14. Bah, top 15, du coup, ça descend de plus en plus au fur et à mesure que je joue pas. Mais je suis monté top 12 même. J'ai perdu 3 rangs là depuis tout à l'heure. Mais c'est uniquement parce que j'avais cette version-là. Hein. J'aurais les élecs. Bah, en fait, je serais bloqué avec tous les autres warriors rués. Tous les autres warriors, comment ça s'appelle Bombe. Je serais bloqué avec eux au rang top 100, au rang top 200, un truc comme ça. Moi, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu parce que j'ai réussi à trouver une version qui battait voleur de manière plus efficace. Après, si tu veux mettre les élecs, mets les élecs. Cette question est revenue beaucoup de fois. Élec, c'est vraiment fort. N'hésitez pas à le mettre, les gars. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de. Je suis pas omniscient. Je sais pas tout. Je peux me tromper. Mais juste moi, je trouve que c'est en ladder. En tout cas, c'est plus polyvalent comme ça. Et quand je vais faire un tournoi en spécialiste, je vais probablement mettre les élecs pour certaines versions. Voilà. Si ça vous. Je sais pas si ça vous convient comme réponse. Mais voilà. Sachez que c'est une bonne question. C'est bien. Les élecs, c'est une très bonne carte. C'est juste que moi, j'apprécie pas dans cette déquiste. Tout pareil. Tout pareil, je confirme. Ça, j'ai monopolisé la parole. Non, mais Mais moi je dis, c'est une bonne question, il c'est une me très fait bonne trop question. rire. Elec, c'est une très bonne carte et les gens la posent plein de fois. Non, mais ça, c'est une Non, très je bonne m'énerve réponse. pas, je C'est une suis très pas bonne énervé. réponse. Très bonne réponse, ouais. Mais ils me font trop rire. Ils sont marrants ce soir, je trouve, hein. Non, mais Tu peux c'est. réexpliquer, j'ai pas suivi. Ils sont incroyables, Franchement, c'est des bâtards, c'est des ils sont bâtards, mais trop tu peux pas leur marrants. en vouloir, ils sont incroyables. Depuis tout à l'heure, ils full troll, mais de face, c'est Non, mais vraiment le c'est. Non, troll mais gentil et drôle, quoi. j'ai Donc, le air chat, non, franchement, c'est les boss. ils sont vraiment excellents. Alors, là, chasseur, je t'avoue que je suis un peu en terrain inconnu, j'en ai pas vraiment croisé beaucoup. Il y a des chasseurs aggro. Ouais, Enfin, c'est il y a ce des que je me trucs dis. avec Alors, les, il y a les Lynx, les hyènes, c'est comme avant ah avec ouais? un petit package secret. Il y a Wearer qui a sorti une liste notamment. Ah, tu Et me fais peur là. en fait le Huntsmith, il a perdu très peu de cartes. Alors certes, il a perdu Rek'Sar, mais dans Il a perdu beaucoup, la 3-2 aussi. il a perdu la 3-2, H2. mais du coup, il y a un espèce de petit package secret. C'est un Hunt-Hybrid comme au début du Hunt-Hybrid. Et il a raté son 1. Il a gardé 3 cartes en main de départ et il a raté son 1. C'est intéressant. Là, la technique c'est juste de piocher 3 bombes et ensuite je pièce lui et j'ai gagné. Donc je pioche ça, tour 4 je fais l'arme, je tape avec, tour 5 je fais ça, on s'en fout, et tour 6 je pièce lui et j'ai gagné. Ok? Ça peut être une bonne stratégie. C'est un chouï chiant, mais tu pourras toujours l'achever avec Explo. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'il va le tuer autrement avec un truc, hein. Moins qu'il le tue avec un sort, le sort à 4 ou une connerie comme ça, et moi je piécerai lui. J'ai pas tout noté dans mon calepin. Oh, ok. Oh, ça me dérange pas trop, c'est un mec qui joue l'autre. Aïe aïe On aïe, voit pas malin, les malin, cartes. malin! Là, j'avoue, ils ont raison, on voit pas les cartes. Tu Ah peux te ouais? décaler un peu vers moi? Bah, du coup, on se remet là du Ouais, on coup. se remet On là. s'en fout de la mana en Franchement, vrai, le le mana, mana, vous franchement, chipotez pas. Voilà, c'est bon, on c'est voit la le même mana que là. au-dessus. Hein. Regardez, je me mets comme ça. Là, voilà. Je cache pas le mana. Bon, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts contre lui tout de même. Juste gagner avec ça en fait, mais faut pas que je me fasse bullshit bêtement. Là, il essaie de protéger son Misha de toute évidence donc. Ouf! Oh là là! C'est aggro! Oh waouh! Ça, c'est moi, Ah, gros. c'est aggro, hein. Je t'ai dit, il y a le truc. Bah là, pour l'instant, il a. Je pense que c'est plutôt Le le. fameux Hunt Mid.
Mais pourquoi elle a joué le sort à 2 alors? Ah, tu penses que c'est vraiment aggro? Ils ont remplacé par ce qu'ils ont pu, hein. C'est OP de ouf. Ah, nickel. Ok, donc sur le prochain tour je fais ça et ensuite je fais Dr. Boom, ça te va? Ouais, J'aurais que 4 bombes, mais. Je veux dire, que 4 bombes. 4 bombes. C'est C'est quand déjà même bien, déjà pas hein. mal. Ou alors tu tapes deck l'arme mais comme ça tu tapes into, tu tapes Dr. Boom. Attendez quoi? What? Ouais, du coup Donc je il joue comprends plus, mais. le. Qu'est-ce qu'il joue? Il En joue fait, il un joue des full mecha en crêtes, il fait. joue des cartes incohérentes en fait. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'il joue mecha, c'est Ouais un ouais deck, il joue tu méga mais en effet la bombe c'est clairement une carte enfin c'est pas une carte dans un... Il joue des trucs très aggro et des trucs pas aggro quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc Juste à faire ça dedans. Non, vas-y, je vais le garder. on voit le mana. Je suis en train de me contorsionner pour que vous voyez le mana. Ce que je ne ferai pas pour vous. Ok, donc je suis assez haut en HP, faut juste pas qu'il pioche la bombe. C'est cool quand même. Ok, cool. Et là, du coup, j'aurai un Dr. Boom, j'ai gagné en fait. C'était pas très dur cette game, je crois. Je pense que j'ai gagné, mais je passais encore. Ouais, c'est quand même pas très fort. C'est quand même pas très fort, hein, je veux dire. Comparé à ça maintenant. C'est dommage que j'ai pas eu l'arme, ça aurait été ouf. Pas ce Ça, j'aurais problème, pu le cinéma mettre, était sur les genoux de l'autre. il va taper là et il va DK. Non! Tu sais que j'ai fait des cauchemars du DK ou pas? Lequel? Ok, il a vraiment ragé Mais je te dis, j'ai gagné. Le tour où Il tu a joues tellement Dr. Boom, ragé. tu as automatiquement Non, gagné mais si c'est tu trop joues fort. sur curve. Docteur, quand t'as deux bombes ou plus et Docteur Boom sur 7, c'est trop fort. Ah, c'est trop puissant. Ouais. C'est trop trop puissant. J'ai trop envie d'aller aux toilettes. Comment on fait? Tu veux jouer sans moi? Tu veux Franchement, c'est mal? chaud, hein. Ah ouais? Après, ça dépend si tu t'en fous d'être à 6-1, quoi. Non, j'aimerais bien faire 12-0 en vrai. Vas-y, je vais jouer très lentement pour que t'aies le temps de revenir. Cours. Vas-y, Mais. fonce! Fonce! Tu veux que je t'aide à faire le mulligan? Vas-y, on fait le Vas-y, vas-y. mulligan ensemble, après tu cours. Non, c'est pas caca, c'est pas caca. Mais c'est juste les toilettes, elles sont au bout du couloir Ouais, c'est là-bas, donc loin. faut que je. Franchement, c'est loin. Après, je cours très très vite, vous savez. J'ai moi-même co coaché Susan Boyle. Non, Usain Bolt. Usain Bolt, pas Susan Boyle. Suzanne Bell, elle court Non, beaucoup moins quoi? vite, hein. Quoi? L'autre, l'autre, l'autre. Il y a tellement zéro confiance, mais il a raison. Druid, c'est token. Tu gardes ça, tu gardes le Worgen et tu rejettes les deux autres. T'as dit quoi? Excuse-moi. Moi, je dis Druid, c'est sûrement un token. Donc, tu gardes Rover et Worgen et tu vires les deux autres. Moi je vire jamais lui. Hein. Tu vires pas lui? Bah, de toute façon, Juste enfin, je veux Darius, du dire, coup? si jamais il joue rien, t'auras ça. Enfin, je veux dire, de Ouais, toute ok. façon, si t'en pièces un, t'as besoin de l'autre en fait. Ok, ça me va. Allez. Je vais jouer très lentement. Alors, on death quel légendaire? Quel légendaire vous voulez que je désenchante? Rover T1, ça va, je maîtrise, tout va bien. Ouais, Susan Boyle, elle court beaucoup moins vite que Usain Bolt. Hein. Clairement, pièce hero power, crapulous doré, vous êtes vraiment les pires. Hein. Je ferai jamais ça. Je n'oserai absolument jamais. Pas pièce de T3, je pense. Ah, quoique, on a quand même les deux T3. Il part pisser avec sa tâche, c'est louche. Terrible. Pièce T3, c'est cool en vrai. Putain, la souris, elle a une sensibilité super bizarre. Joue plus doucement. Mais non, faites-moi confiance. J'ai battu Unit tout à l'heure sans aucune RNG. J'ai pas du tout top deck à tous les tours la carte dont j'avais besoin. Misclick. En vrai, je pourrais misclick, hein. Parce que la sensi elle est super bizarre. Low elo, je nid ta decklist. Je me suis pas low elo moi. Mais qu'est-ce qu'il joue? Il joue Maligos du coup. On va le bourrer. On a récupéré Dr. Boom. Donc c'est nickel. Il est revenu tellement vite. Il avait tellement pas confiance. Il a couru. Je pense qu'il s'est à moitié pissé dessus sur le chemin et tout. Hein. Non, je pense qu'il joue Maligos parce qu'il a rien fait depuis 3 tours. Donc, mais c'est en body. Hein. Bon, parce que j'avais envie. Très bien. Surtout, tu joues ça en body. En gros, si tu sais qu'il joue pas token et que tu sais Ah, j'en qu'il est. savais rien. Si tu sais qu'il pouvait rien faire, tu fais juste armor up, tu t'en fous en Ouais, fait. mais j'ai hésité, mais le truc c'est que je restais sur le fait que ce soit un token. Donc, Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Juste ça allait. dis-toi. Mais tu peux jouer, hein. Juste dis-toi en fait, en gros, le fait d'avoir la pièce dans Hearthstone, c'est un désavantage. C'est un handicap d'avoir la pièce, ok? Donc en gros.
quand tu fais, quand t'as la pièce, c'est pas grave, c'est une chance sur deux. Quand t'as la pièce, tu dois l'utiliser pour que ça ait un impact suffisant dans la partie pour que ce désavantage devienne intéressant en fait. Tu vois, et là, en fait, juste piécer une 3-3, alors tu me diras, ça met pas mal de pression, hein. C'est cool, il a Ouais, plus mais après, moi je envahissante, te en dis, vrai, c'est cool. dans ma tête, c'était vraiment Non, non, tout cut, en mais. vrai, c'est pas forcément débile, hein, mais c'est juste, Alors, là, je par t'avoue, contre, moi, j'ai j'ai pas. pas pièce armor up, hein, c'est pas vrai. Si tu peux ne pas les croire. Ils ont essayé, ils m'ont supplié de death des légendaires Ah et non, tout, c'est hein, relou ça. franchement, ils sont pas Ouais, si alors il fallait sympas que que tu ça. capitules, donc ça aurait été double défaite pour moi, ça aurait été Ouais, ils chaud. sont pas hyper sympas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un stream qui s'est lancé tout seul sur ton téléphone. Le téléphone il était posé, d'un seul coup il y a un stream qui s'est lancé quoi. What? Oh, Incroyable. j'étais pas prêt. Ah bah c'est bien ça parce que du coup ça fait une deuxième bombe et il y a... Par contre à noter que j'ai les deux booms dans la main. Bien joué. Ça voilà, Alors je tiens quand franchement, même à... ça c'est well played hein, Je par le tiens quand coup. même Ça change à absolument noter tout. ça. Je pense que je vais le faire. Hein. C'est cool ça. Dans l'idée en fait, juste vu que je sais que j'ai déjà des powerplays avec les Dr. Boom, j'ai juste besoin de d'ici à Dr. Boom mettre suffisamment de pression en fait. Donc il a la colère à 1 et décide de faire sa synthèse en ce qu'il nous propose là. On joue celui C'est qu'il bien connaît les pas. Iliacs. Ouais. Ouais, c'était pas mal de trade avec le Worgen, non, pour balayage? De trade comme ça, tu veux dire? Ouais. Pour balayage. Ouais, c'est peut-être mieux. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas bien réfléchi à ce tour. Je l'ai joué direct là, mais. Après, s'il fait balayage, c'est une bonne chose, non? Oui, c'est Donc, pas plus mal si c'est un vu comme mal. ça, tu Si vois. c'est un Maligos, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Oh, je pense que c'est Maligos. Et du coup, ça c'est. Ah, c'est la colère. Ah, oh, j'avais jamais vu le. C'est ça Ouais. l'artwork que t'as dans le choix des armes? Ou c'est un nouvel artwork? Ça me dit rien comme ça. C'est à nouveau. Ils les ont retravaillés. À quel moment on doit jouer l'assemblage pour un seul mecha? Si t'es contre aggro et que t'es vraiment en galère parce que t'as rien à jouer? On parie combien qui capitule sur 8? Sur 7. Enfin, lui ça va être. Oh Ah non, merde! non! Ah non, Une bombe en fuck! moins! Pas Quel cool dommage! Tu le fais quand même, ça! non, en Eh, vrai? franchement, on a pas de chance! Quelle malchance, C'est j'avoue. terrible. On le fait quand même, de toute façon. Bah oui, Genre, 7-7, même deux bombes avec 13 il peut PV, pas tuer plus 7-7. une 7-7. Il a plus Y'a plus acclimatation. acclim, putain, c'est vrai, j'avais oublié! Et oui, c'est pour ça qu'il est trop Incroyable! faible, Druid. Enfin, trop faible, en tout cas, pas dans l'archétype qui existait avant, quoi. Je veux dire, tu peux plus vraiment te dire, ok, je vais tenir pendant 45 tours, tu Tiens, viens, t'es tout coupé. vois. Ah, salut. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que je peux mourir. Oh, en vrai, je meurs jamais, si. Ça serait hautement improbable avec deux taunes quand même. Ce serait peu probable, ouais, on sait jamais, en vrai. Parce que t'as deux taunts. Ah franchement t'as deux taunts dont un avec bouclier divin, même avec double roar. T'es large Genre, là. comptons le maximum. Worst case scénario, embranchement. Embranchement, il y a encore ou pas? Il n'y a plus. Ça fait. Lui, ils montent tous à 4, c'est ça? Non, ils montent tous à À 5. Ça fait 5. 5, 10, 20, 20, 30, 35. Maintenant, il faut qu'il envoie tête là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans. Donc, il en envoie minimum 3 dans les trucs. Non, après, il peut avoir un sort. En vrai, c'est peut-être plus safe de juste trade. Hein. Je pense que c'est plus safe de juste trade. Au prochain Ok. tour, je fais Dr. Boom et lui. Tu traites deux fois le même du coup. Ouais. Je mets comme ça. Hein. Au prochain tour, je fais ça et ça et je serai safe quoi. Juste, j'ai pas envie de me faire bullshit la game comme ça quoi. C'est pas mal quand même, hein. Tu vois la légendaire druide là, la petite 2-3 avec rien qu'avec colère, ça l'a mis bien, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais la 2-3 elle est complètement cheatée. Hein. La 2-3 c'est l'une des meilleures légendaires du jeu. Hein. Du coup, t'as joué l'ancien Docteur Boom là. Ouais. Mais tu verras qu'il est pas mal aussi. Hein. Tu verras qu'il est bien aussi. Michu a fait 4-3 au bras de fer. J'ai pas vu. Comment vous C'est avez su? zéro derrière. Putain, j'avais même pas vu, mais on a fait tant de games que ça? Ouais. Je suis un peu. T'inquiète. Tu sais que T'inquiète, je dois mec. faire 1h20 de vélo là pour rentrer chez moi? Ouais, bah tu m'as dit, ouais, c'est un truc de ouf. Je Ah suis pas. merde, il est minuit! Je suis pas ultra serein sur les 1h20 de vélo là. Ça doit être Nilad après, je pense. Ouais. À minuit. Ah merde, on va devoir laisser stream après, les gars. Enfin. Je veux dire, normal, mais. Il est obligé de full trade du coup. Ouais. Bon, du coup, c'est peut-être plus cohérent d'aller face, mais je veux dire, c'est trop risqué en fait.
C'est trop trop risqué. Je préfère la jouer mieux vaut soigner que guerrière, comme disait Jones. Donc on fait ça, on envoie là 1-3 ouais, là-dedans. D'abord une 1-3, tu mets la bombe dedans. La petite bombasse. Tac, qui va taper directement 3 là-dedans. Pas du tout. Du coup. Là-dedans. Et c'est. Okay. Nice. Ça diminue le nombre de créatures. Après, il me faut les bastons, hein, sinon ça va pas le faire là. Au moins, t'es safe sur double aura et tout ça. Donc, De quoi ? Faut passer le permis pour transformer l'énervé en 20 minutes. Je l'ai le permis. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la voiture à Paris, c'est compliqué. En fait, mon dieu, en tout cas, c'était cool ce soir. Merci beaucoup d'être super gentil. C'était un duo inédit en plus. C'est vrai. C'était imprévu en plus parce qu'en fait, tant qu'il arrive, et il fait, on a fini un peu en avance. Il reste 2 heures qu'il veut aller streamer pendant 2 heures parce que lui il était crevé, il avait fait nuit blanche. Et là, tout le monde regarde ses pieds. Tout le monde fait oh, ma nouvelle paire de chaussures et tout. Et là, bah, du coup, moi je fais, bah, moi en vrai, je m'en fous. Mais c'est juste que je suis un petit peu crevé. C'est plus facile à deux qu'à un que tout seul. Ouais. Et Nemaïdes m'a dit directement ouais, bah, moi je suis chaud, si tu veux avec toi. Du coup, on fait, let's go. Prends un Uber, mais j'ai pas envie de me laisser mon vélo là. Ça va relancer cher quoi, en plus. Voyez plutôt. Oh, dur. Yes! Ça joue bien! Oh, c'est très très dur ce qui vient de lui arriver. Oh là 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 là! Ce niveau de jeu, ce niveau de jeu. Et salut Nilad, je suppose, du coup. Qui doit être sur le compte de la TV. Bah, ça doit être Nilad là qui a fait Haggis. Oh, les 1-1, nice! Oh, je respecte rien. Combien de kilomètres à faire? 25, je crois. 23, 24. Entre 23 et 25, je sais plus exactement. Mets-le dans le coffre, j'ai pas de voiture, moi. Moi, j'ai pas le permis. Le truc, c'est que je vais probablement souvent plus vite à pied qu'en voiture, donc j'ai pas vraiment besoin de le passer, quoi. Puis la pollution. Enfin, y a plein d'excuses à pas avoir le permis, vous savez. Mais moi, l'excuse principale, c'est que... Honnêtement, enfin, ça dépend où t'es, mais genre, moi, j'habite en banlieue parisienne, donc la voiture, elle est bien utile, mais si t'es dans une grande ville... De toute façon, tout est archi blindé, bloqué et tu fais tout à pied ou en métro. Donc, Ouais, totalement, totalement. Ouais, pour le coup, moi j'ai vécu 2 ans à Paris et c'était assez dur d'envisager d'avoir une voiture quoi. Ça coûte de l'argent d'avoir une voiture, merde. Eh, sérieux, fais pas le deuxième machin là. C'est relou ça. Oh. Oh putain, cette synergie. Wow. Ça c'est chiant. Ça c'est relou. Très bien. Putain, il s'est soigné masse en vrai le coup. C'est soigné masse. Alors, ça on va l'exec je pense. Y'a moyen ouais. Je vois pas trop stylé. C'est stylé. C'est pas mal effectivement. C'est méga stylé. Du coup on tue ça. Tu fais ça, t'exec la 3-3, tu tapes dans... Le mieux c'est de gérer les 2-2-3 parce que c'est ce qui gère le plus. Sinon tu gères les 2 à gauche mais tu gâches, enfin t'as un token qui fait rien. Oh, attends. Faisant pour en a, il est full PV. Ouais, bah ouais, mais bon, je crois que je peux pas lui faire grand chose. Après, il a claqué toutes ses cartes de. Il a claqué ses 2 nourrir déjà. Hein. Donc là, il va commencer à s'épuiser lui, normalement. Contrairement à moi. Moi, c'est là le moment où je vais m'exprimer le mieux. Tandis que lui, il va commencer à s'épuiser. C'est juste, c'est dommage, le Dr Boom, j'avais que 2 booms, mais. Tu fais 2h40 de vélo par jour pour le taf ou c'est exceptionnel? Non, moi, je fais 2h de vélo par jour pour le taf. Et là, c'est comme je suis venu au loco pour le bootcamp, c'est un peu plus loin. Mais sinon je fais 1 heure le matin, une oh heure, Dieu. Une heure aller, une heure retour. Je suis là pour apprendre. Il me faut un bon truc là, ça peut me donner un bon truc. Brawl c'est cool non? Quoi? Brawl ça serait cool. Brawl ça serait ouf ouais. Ça c'est cool, ça va quoi je veux dire. Oh ça c'est ouf ça. Ça c'est ouf ça. Ouais, c'est vraiment fort ça. Je vais pas jouer ça du coup. Pas jouer le Worgen mais le truc il fait ruer, Attends c'est une 4-4? Ouais. Mais du coup tu peux le mettre dans l'enseignante et ça kill tout en fait. Ouais. Quasiment, ça laisse juste... Je suis ça ouais. Ouais, Talnos il a pas d'intérêt je pense. Ouais. Ça il se mettait bien celui-là. Et paf. Boum. Et dehors. T'arrives au taf, tu prends une douche. C'est vrai qu'ils sont pas très bons. Non parce que je roule... Quel bâtard. Non parce que je roule cool donc je transfère pas. Je roule cool il a dit. Ouais je roule je cool. Je sprinte pas quoi. Oh, il est chiant lui. Ça va. Franchement on s'en sort bien.
Et olé! Et Nice. olé! Oh, Oh là là, la même pas dû bombe. jouer. Ok. Regardez l'arme par contre. Et je vais développer ça. Ouais, tu peux y aller, je pense, hein. J'ai pas l'intérêt de regarder. Allez, let's Il, go! sur quoi? Le truc, c'est qu'il a tellement pas peu de cartes en main que même Bois of Folet. Ah, il a déjà fait les deux. Il reste une Soul of the Forest et une enseignante qui peuvent être un chouï relou, mais. Ouais, ça va, en vrai, il a pas beaucoup de cartes. Et il a là-dedans deux bombes. Bientôt C'est trois. écolo le vélo, les gars. C'est mieux que le scooter. C'est moins dangereux en plus. Ah, pile à temps. Pile J'avoue. temps. 13 combien de cartes dans le deck là? Ah, justement, j'allais me demander si tu l'as joué ou pas. Ouais, bah en fait, j'ai juste envie d'avoir le bout du 7-7 en fait. Ça, C'est c'est ça, ouais. bien. Cairn, c'est cool. Ah, découvre un mecha en vrai, Détruit. le body est. Ah, détruit un mecha. C'est un tout Je petit me peu suis moins dit, bien. juste dit, je connaissais Non, pas c'est lui, cette je pense. carte quoi. Oh, amélioration, et du coup, tu tapes pas. T'as deux améliorations dans le deck pour mettre plus de bombes. C'est beau jeu. C'est bien ça en vrai. Hein. Ouais, ça c'est bien, mais l'amélioration, c'est beau Non, jeu. en vrai, non, c'est bien en vrai. Faut qu'on la gagne, gros. Faut qu'on soit à 7-0. En fait, ouais. Bah là, ouais, en vrai, on a eu du garbage. Hein. En vrai, on a eu des cartes bien bien pourraves. Mais bon, on a le pouvoir de cheater, donc on s'en fout un peu. Enfin, on a le DK. Enfin, le DK. Excusez-nous. Vous savez, le scooter, c'est le même problème que la voiture dans Paris. Hein. Ils peuvent même pas doubler. Ils sont dans les bouchons. Hein. Ils peuvent même pas doubler entre les fils tellement c'est blindé de ouf. Hein. Alors que moi, sur ma petite piste cyclable, je mettrais moins de temps en vélo qu'en scooter pour aller bosser. Ok. Il a déjà joué les deux colères. C'est bizarre ce qu'il fait. Il voulait Il juste a endommager, non, il il s'est a dit déjà qu'il me joué tuerait jamais de l'outil toute façon. aussi. Pas oublier qu'il a encore les deux bombes. Ok. Ça, il a pas vu ton pouvoir héroïque, je crois. Ouais. Bah après de toute façon, il n'avait pas trop le choix. Allez, bim! Trois bombes, du coup, là, c'est bon, c'est létal. C'est létal. Allez! Fais comme tout le monde et achète un hélico. Ah, c'est pas mal, Oh, l'hélico. dommage. Un hélico, aïe aïe aïe. Qui a dit DK? J'ai failli faire une. C'est le même que tout à l'heure qui nous fait des crises quand on dit DK. Docteur Boom, c'est un DK. Moi je faisais, je te disais tout à l'heure, j'ai fait des cauchemars de Rexxar. Ah ouais? Où, ouais, littéralement, je me réveillais en sueur. Et. Mais c'est extrêmement inquiétant hein, de cauchemarder d'un jeu vidéo. Hein, je vous dis pas le contraire, mais. Bah, je peux comprendre, hein. Genre vraiment, littéralement, ça c'est un enregistrement, c'est sûr. Littéralement, je me réveillais, il y a des jours comme ça où je me réveillais en mode 7, 10, 11. Bah, j'ai l'étal là, non? En vrai, imagine la double enregistrement après. Tu meurs sur double rugissement? Je sais pas dire. Double Combien il y a de enregistrement, cartes dans son ça se deck? tape 4. Et ça tape. Là, il a 7 cartes. Et il a 3 bombes dedans. Il reste 4 cartes Moi, du je pense coup. que si tu trades, tu perds jamais. Ouais, c'est ça l'idée. Votre histoire s'arrête ici. Du coup, on trade lui plutôt. Votre Non. histoire Non, s'arrête parce que du coup, il ici. meurt lui. Votre histoire tu peux mettre s'arrête tes ici. deux, le pyro et la 1-1 dans la 3-4 et value trade la 2-2 qui pop. Ouais, vas-y. Faire un dégât face, Après, c'est mais. normal, tu vois, parce que tes rêves ils sont grave influencés par ce que t'as fait dans la journée. Ouais, c'est Donc, comme ça, et tu quand joues tu joues beaucoup de Hearthstone turns à 15 heures mid-slot, par t'as jour. plus. Et du coup, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, du coup, j'avais l'étal si j'étais à la face. Mais en jouant comme ça, je suis totalement Je pense d'accord que sur le là, fait qu'on perd tu jamais. peux plus la Donc, c'est perdre bien. vu que t'as en plus t'as une brawl. Ouais. Non, je peux Il pas la reste des perdre. ruées dans le deck, il Et reste puis des taunts. lui, il a des dead cards en fait. Il a des cartes mortes maintenant. Genre, il a les deux rugissements, la Violet Teacher. Et Puis puis. il reste des bombes en Il plus. reste On a deux le temps, bombes, on a le ouais. temps. Deux rugissements, Violet Teacher, ça fait trois cartes. Balayage, j'ai à jouer les deux. Donc, Aurore, donc ça, je vous avais dit, c'est sûr. Et il veut Ah, tanker du les coup, dégâts là. il est obligé de trade avec en plus. Ouais, bah Incroyable. oui. Terrible Ça, ça pour fait lui. mal au boule, hein. On aurait pu la gagner un peu plus vite celle-là, mais on a vraiment joué très safe au cas où il avait les Ouais. meilleurs trucs à chaque fois. Puis oh, c'est bien ça. Nice. Oubliez pas qu'on est fatigué aussi, hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup streamé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une longue journée. Moi, j'ai dormi 2h30 la nuit d'avant là. Je savais à 6h40 et je suis venu ici. Je vous avoue que c'était un peu. Oh waouh, il la joue dans son deck, what? Bah, on Des est content barres. d'avoir la brawl.
Ah mais t'imagines ça survit ça? Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il va mourir. Regarde là, tu fais avec ton pouvoir héroïque. Ouais mais il Même a s'il a 6. 8-8, elle survit, en fait, il te tue pas à temps. Ouais il me tuera jamais là, ça. Avec les bombes. Bon allez. Continue jusqu'à 1 heure, mais tu veux qu'on meure en fait? Laisse-moi aller dormir, laisse-moi rentrer chez moi s'il te plaît. Pas du tout. Putain, il reste 2 bombes dans les 3 cartes quoi. What the fuck? Mais il veut pas capituler par contre lui. Hein. Il espère encore. On a 2-6 ruelles dans ton deck de base. Non, non, je l'ai On a récupéré fait avec Elysiana un moment de la Elysiana. game. Toutes On les avait cartes que j'ai là, besoin. c'est Elysiana. Hein. Sinon, en fait, tu peux pas avoir une carte d'Elysiana et une carte pas Elysiana. Si c'est une carte d'Elysiana, elles sont toutes Elysiana en fait. Automatiquement. Bon, il va mourir quand même là. Y'a quoi? 2 bombes sur les 3 cartes? Quel enfer. Il veut pas. Hein. Il a 2 bombes sur les 3 cartes. Ouais, t'imagines, il pioche pas la bombe là? Ça serait quand même cocasse. Ça a aucun sens. Mais meurs le druide, meurs. Il a 2 bombes, ça c'est 2 bombes ça. Genre là. Putain, je peux pas vous le prouver du coup, mais Putain, ça c'est 2 bombes. On va même pas, on va même pas pouvoir voir un létal à la bombe du coup, c'est trop triste. Non mais ah, attends, si, il s'accroche hein. Bombe, ça. Ouais, non mais je pensais qu'il allait concéder en fait. Techniquement, on avait pas l'étal sans les bombes. Incroyable. 7-0. Et ça, c'est une bombe aussi. Du coup, il la pioche pas, mais du coup, c'était ouais, bombe, bombe fatigue, aussi, ouais. Donc il prenait 11. Ouh, 7-0, effectivement. Waouh! C'était. C'était sympa, hein. Ah, c'était olympique, hein. Franchement, je suis bien content. Ah, bon, le jeu est cassé. Eh bah, écoutez, c'est. Le ça jeu est cassé. Que, ça veut dire que c'est au tour de Nilad. C'est ça. Eh bien, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi ce live ou cette vidéo YouTube pour ceux qui regarderont ça sur YouTube. Ça sera probablement sur YouTube, ça sera en 2 parties du coup. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis écoutez, l'Arma, le bootcamp Arma Team continue demain. Ouais, continue dès, demain avec la suite de l'Arma King. C'est ça, dès 9h du matin. Donc à 9h du matin, on va retrouver directement Talk sur la chaîne. Il y aura également à midi, c'est moi qui reprendrai. Donc on va probablement finir ce bras de fer demain midi, etc., etc. Et puis après, je ne connais pas par cœur tout le monde, mais l'ordre, mais globalement, à tout le monde qui serait un peu demain. On se refera des duos avec les Maïdes. Ça s'est vraiment très bien passé. Je suis très content. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, bah écoutez. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit à vous. N'hésitez pas à rester un petit peu quand même à dire bonsoir à Nilad qui va reprendre juste après yes. nous. Merci encore d'avoir suivi ce live. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton Twitter? Moi, c'est @NemaidesHS si vous arrivez à l'écrire. NemaidesHS. Et pour moi, c'est LoloHS. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, vous connaissez. LoloTV sur YouTube. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. Tchuss!